pour une nouvelle vidéo. Et donc c'est avec Gigi Game. Salut. Et là c'est bah y a pas Titi Game parce que il est pas là. Et c'était j'avais promis que quand ça arriverait bah je tournerai la vidéo, je la posterai. Donc c'est un spécial 1000 abonnés. Et donc c'est sûr que si je la postais avec 1500 putain pourquoi je dis 1000 abonnés, 1000 vues. C'est sûr que si je poste avec 1500 vues en attendant que Titi Game vienne, et ben voilà, ça ferait ça. Donc ça sera bizarre. Donc on va faire une vidéo où ça va être. Oula. On va laisser un peu le son quand même. On va visiter toutes les maisons, mais tout du jeu. Donc c'est une vidéo assez longue, mais comme ça au moins on va découvrir les étages et tout ça. Et puis et comme ça je vais vous présenter en même temps les foyers, et puis si j'ai le temps leur histoire. Comme ça, on est comme ça, nous. Hein. Allez, oh. Attends, je sais pas si je peux les mettre avec. Ah, bah, je vais y aller. Et je sais pas si je les ai mis dans une maison déjà. Bref, on va juste aller visiter. Je perds du temps. J'aime pas la musique en ce moment. Donc je... Wow, 255 000 euros. Ça. Bah voilà. Donc, par contre, je vais couper à chaque fois qu'il y a des chargements, parce que sinon on n'aura pas fini. Donc, c'est une magnifique maison avec une boîte aux lettres qui se balade. Et ben pourquoi pas te laisser comme ça? T'es jolie comme ça. Waouh, c'est vraiment. Bref, elle est vraiment bien faite. À mon goût. Avec terrasse. Elle est belle, hein? Jardin, tout ça. C'est vraiment très bien fait, je sais pas du tout comment ils ont fait ça, mais c'est vraiment doué. De toute manière, eux, ils peuvent tout faire. Les créateurs. Hein ouais. Avec un petit potager très sympa. Maman qui sonne, pardon, excusez-moi. Très sympathique. Donc, on regarde pas. Ah, voilà. Donc, bah, je fais pas la visite intérieure, je vais monter juste en mode construction parce que ce serait beaucoup trop long à faire sinon. Donc, j'enlève juste ça, sinon on va entendre que des clac. Donc, là, on voit l'espace salon. Très joli. On va faire des visites assez brèves. L'espace salon. Alors là, je ne comprends pas l'intérêt du truc. Salle à manger, tout ça. Ouais. D'accord. Ouais, c'est salle à manger, bar, cuisine oui, d'ailleurs. Ah, très belle la cuisine, hein. Il n'y a rien. Avec une petite salle de bain sous l'escalier. Ah mais c'est pas une cuisine, c'est un bar ça. Elle est là la cuisine. Oui. Waouh, elle est vraiment belle la maison là. Ou alors qu'il y a deux cuisines. Donc une première sur les cinq chambres. Voilà, plutôt jolie. Avec une petite salle de bain. Petite poubelle aussi. Mais elle se balader avec moi. Donc elle avait vraiment plus longue la vidéo là, donc c'est normal. Ça prend du temps et tout pour la poster, mais bon. Deuxième chambre. Avec salle de bain. Le hall. Troisième chambre. Troisième chambre. Avec un petit espace dragon pour les enfants. C'est pas mal. C'est mignon. Oui. C'est pour tout. Avec un petit. Alors un petit piano. Un espace détente. Vraiment très belle. Est-ce que j'y habiterai un jour dedans? Je sais pas. Ouais, c'est joli. C'est pas du bureau, moi, je pense. Encore, là, je crois, il me semble que c'est la, c'est la quatrième chambre. Et voici la, cinquième et la plus belle salle de bain du coup, je pense. Donc, voilà. C'est déjà fini pour la maison, là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à tout de suite dans la prochaine maison. Nous allons visiter la maison. Là. Donc, bon, elle est belle. La maison là, elle est très belle. Mais je pense que nous allons trouver mieux. Et à la fin de la vidéo, on va plutôt faire aller avec. On va changer. Oh. Ah oui, c'est vrai, c'est sa nouvelle meuf. Oh. Allez. Ah, Lenko. Bon, ça va, je suis encore vivante. On va y aller avec Cory. Non, on va y aller avec les deux. Les deux? Ouais. On est gentil. Parce que j'aime bien qu'elle prenne. Donc voilà, à de suite. Donc nous arrivons devant le hall, enfin c'est pas vraiment un hall qu'on voit, mais devant la maison. Alors cette fois-ci il y a des balcons, il y a quand même des potagers. Ah, et il y a una terrasse.
Il y a un grand jardin, je pense. Bah, on peut marcher. Ouais, il y a pas mal. Une petite salle, quand même, je pense, peut-être pour les mariages et tout. Ça va être vraiment pas mal d'habiter là-dedans, je pense. C'est l'entrée, ça. C'est vraiment sympa. Franchement, non, excusez-moi, je vais vous avoir entendu les clac, 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 clac. Donc, allez, en 5 minutes, on est à la deuxième maison. Hop, attention. D'accord. Bon. Nous passons vite fait en mode construction. Voilà. Je suis désolée, mais on est vraiment obligé parce que je pouvais pas descendre. Hop, on regarde pas. Voilà. Donc, ce fois-ci, je crois pas. Je crois qu'il y a un ou deux étages. Ah ouais. Bah en fait, je pense qu'on va faire une rénovation de maison parce que là, c'est vraiment mais trop vieux. Plus tard. Pas plus tard, dans une autre vidéo. Au 1500 abonnés, il y aura... Non, aux 2000 abonnés, où il y aura une autre vidéo spéciale. Tous les 1000 abonnés, tous les 1000 vues, il y aura une vidéo spéciale. Je suis abonné. Bah abonné, hein, il y aura peut-être une FAQ. Mmh, elle est belle, mais... Ouais, mais je pense qu'il... Je pense qu'il faudrait la... La table et tout. Vachement belle. Franchement, classe. Oh là là. C'est la classe. Je vais dire à Dallas, mais je me suis retenue. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de chambres. Il y en a 4. Bah ouais, 1, 2, 3 et 4. Je vais compter. Deux donc, salles de bain. Une chambre plutôt pas mal. Mais bon, ça fait un peu vieux. Ça ne sera pas peut-être pas la maison là que j'habiterai dedans, que je rénoverai. Enfin, peut-être, si. Ah, une vraiment très belle chambre. Waouh! C'est tranquille et tout pour les amoureux. Suite amoureuse. Là, pour les enfants et tout. Franchement, je pense aussi je pourrais peut-être habiter là-dedans. Comme ça, il y aura une chambre quand même pour. Admettons une chambre pour Corinne. Enfin, non, une chambre pour Corinne, une chambre pour Capron et pour les enfants. Voilà. Et pourquoi pas créer un étage, tant qu'on y est. Non, bref. À tout de suite pour la prochaine maison. Voilà. Donc là, il y aura 3 chambres et 2 salles de bain. Donc elle est encore à 2 étages. Aussi nous allons en construction parce que c'est trop compliqué sinon avec il faut tout la construction et tout. Décidément on est dans un quartier riche hein. Ouais. Ouais, c'est pas. Troisième maison. Elle est belle. Elle est belle extérieurement, mais niveau jardin, j'aime pas. Oh. Franchement, c'est pas là où ils habitent, moi, hélas. Parce qu'il y a 3 chambres. On va se jouer à Stephen Panza. Par contre, ça c'est vraiment magnifique, je sais pas du tout comment ils font. Parce que nous on peut pas le faire, je crois. T'arrives à faire des trucs à l'arrondi, toi? Bah, on peut le faire. Non, mais tu sais, c'est que dans les créations du jeu, c'est plus facile pour eux. Enfin, tu sais, ils ont juste à faire des trucs. Putain, décidément, j'arrête pas de mettre mon truc là. Donc, attention, ferme les yeux. T'as pas fermé les yeux? Non. T'es pas bien. Donc, bon, déjà, ça me plaît pas du tout parce que, enfin. Il y a une salle à manger, mais j'aime pas trop quand t'as une salle que pour salle à manger. La cuisine, je peux pas dire, mais elle est vraiment moche. Voilà, on dit franchement. Et j'ai qui, ça fait trop. C'est un manoir aussi. Ça fait trop Louis XIV. C'est un manoir. Ah, c'est un manoir. T'es morte, je crois. On va vérifier. Si t'as des yeux. Petite salle de bain, pas très belle, je trouve. Ah. Ah, chambre d'enfant. Chambre d'adulte. Tout d'ado. Encore une salle de bain et une autre chambre. Bon, franchement, en commentaire, dites-nous la maison que vous aurez préférée. Ouais. Donc, essayez de voir les noms des maisons avant. Ça va être votre boulot, écoutez. Donc voilà, et on va se retrouver pour la prochaine maison. Donc, on va visiter la quatrième maison. Donc, c'était un manoir. Donc, soit vous allez dire si vous avez préféré le chenet, le manoir. La place des cyprès et Gigi Gab nous a quittés. Donc nous avons quand même visité le parc du rivage sans elle. Et toutes les autres maisons parce que c'est la première partie des 1000 abonnés. Il y en aura 2 ou 3. Sauf si j'ai le temps de continuer. Je ne sais pas. Donc voilà, à tout de suite. En tout cas, dans tous les cas, je voulais absolument vous remercier d'être 1000 vues. J'ai encore 10 000 abonnés. Non, j'en ai marre, mais... Franchement, on est vraiment très heureux d'avoir 1003 vues pour l'instant, donc ça nous fait chaud au cœur. Et voilà, on va essayer de faire plus de vidéos, enfin c'est compliqué en ce moment avec les cours et tout, mais pendant les vacances, ce sera pareil, il y en aura une ou deux vidéos, enfin une vidéo tous les 2 jours ou par jour, je sais pas. Donc voilà.
Salut, donc voilà, ça fait déjà 3 temps que j'attends en fait, je vous explique. Donc je baisse le son. Et donc je voulais aussi peut-être vous dire que, hop, on ne regarde pas, voilà, que Cory Funk, j'avais fait une vidéo spéciale pour Cory, une autre spéciale pour Capron. Hélas, Capron n'a pas vu, Capron n'a pas vu. Mais par nos chances, Cory a vu et... Parce que je lui ai envoyé un message par Snap, mais Capron il ne reçoit rien. Et donc du coup, bah voilà, je suis assez contente parce qu'il a été, il a quand même pris le temps d'aller regarder et puis il nous a répondu. Donc allez voir, la vidéo sera peut-être dans la description si j'y pense. Donc voilà. Bon, je vous ai fait une petite visite vite fait en donnant. C'est pas du tout mon style, mais alors là, pas du tout, du tout, du tout. Je n'aime pas du tout, je crois que vous avez compris. Les chances, c'est vraiment, on va mettre des objets, mais vraiment moches. Ça, c'est potable. Ça, c'est potable. D'accord. Bon. On n'aura pas mis longtemps à visiter la maison là. Poubelle. Celle-là, j'y habiterai jamais dedans. Il y a un parc à côté, donc on va pas aller le visiter, on le regarde juste pour l'instant. Voilà. Ciao. Donc là, on va visiter un plat pied qui est le marais profond. Un marais profond. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dedans. Donc on va aller visiter. On ne sait jamais. Attention. Attention. Bon. Si vous n'avez pas reconnu la maison, vous avez vraiment un réel problème. Donc, c'est la maison pour les amoureux. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Bon, évidemment, elle est magnifique. Ça, c'est juste magnifique. Bon, je me souviens encore de l'intérieur, donc allez voir la vidéo déco parce qu'elle est vraiment magnifique. J'ai trop bien réussi. Donc, nous entrons avec. C'est toujours tout vieux dedans, mais parce que c'est pour le petit couple et tout comme ça. Donc, avec ça qui change absolument les couleurs, c'est magnifique. Là, une salle de bain juste. Ça, c'est pareil, c'est une bibliothèque. Je l'avais mis comme ça, bibliothèque. Je l'avais pas. Oh non. Voilà, désolé, j'ai mon truc qui fait du bruit. Une cuisine pas très belle, mais ça le fait quand même. Ça, et voilà. C'est une toute petite maison, et on se retrouve pour la prochaine. A tout de suite. Donc, maintenant, nous allons visiter ceci. Alors, ok. Alors, maintenant, il y a un blond qui vit. Petit blond du nez qui vit dedans. C'est qui? Eric Gothic. Je savais pas. La 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 la. Donc voilà. À tout de suite. Donc voilà. J'ai en fait malheureusement j'ai appuyé sur éteindre et donc du coup bah ça fait déjà 3 plombes, je suis en train d'attendre que mon truc il se rallume. Voilà. On se reprend tout de suite. Parce que maintenant c'est les Sims qui bug. Donc pour tous les plus gros gamers, c'est la maison originale gothique. Donc dans tous les cas, tous ceux qui sont fans du jeu, qui connaissent bien, connaissent cette maison. Sinon, si vous aviez un gros problème. Voilà, donc on va quand même la visiter malgré. Voilà, vous la connaissez quand même, mais bon. Voilà, on l'a fait un peu vite parce que voilà, tout le monde la connaît cette maison. Qu'un petit espace échiquier. Un petit espace salon. Cheminée. Putain, il est trop beau le sol. Alors là, c'est une cuisine, mais juste. Mouah. Trop belle. Elle est vraiment bien faite. En fait, j'aurais fait tout le tour. Mais genre. Même s'il y a tout le tour, j'en sers vachement. C'est trop bien. Là, c'est. Il me semble que dans une vidéo, je sais plus de qui avait fait sur ça, il y avait eu des morts et tout. C'était trop bien. Enfin, trop bien. Pas qu'il y ait des morts, mais. Le contexte, quoi. Désolé si vous entendez des petits tic-tic-tic. C'est ma souris, elle fait du bruit. Nous arrivons dans une salle de bain. Voilà. Putain, il est tout fin l'escalier. Comment ils vont pour passer, les pauvres? Oh. C'est vraiment pas de chance. Voilà. C'est moi qui l'ai mis. Voilà.
Voilà. Et donc. Ah non, c'est vraiment eux qui l'ont mis. C'est pour faire utiliser la petite chambre tout en haut là. Juste à quelqu'un, c'est trop bien. On se retrouve pour la prochaine maison. N'oubliez pas dans les commentaires de mettre votre maison préférée. Donc, votre maison, je précise bien, où vous pouvez. Bon, allez. Votre local et maison préférée. Si c'est l'une des miennes ou des petits trucs comme ça, voilà. Donc là, on va aller visiter le bungalow. Le bungalow du ruisseau. Donc là, c'est déjà dans le quartier beaucoup moins chic. Donc voilà, quoi, de Willow Creek. On va pas visiter le parc parce que voilà, c'est un parc, on s'en fiche un peu. Donc voilà, on va visiter. À tout de suite. Donc ça, c'est le petit bungalow de je sais plus quoi. Donc déjà, quand tu regardes comme ça, il est assez joli, je trouve. Il est plutôt sympathique. Donc moi, je vous dirai ma maison préférée à la fin. Donc un petit espace pour les enfants, un petit jardin. Franchement, je la trouve vraiment très très sympathique, très bien faite. Donc, bah tiens, on peut faire le rentrer par la porte de derrière. Nous rentrons par la cuisine. C'est assez joli, à mon goût. Petite salle à manger, petite salle de bain et petit salon avec quand même écran plat. Ils ont fait l'effort d'en mettre un pour une fois. J'ai un peu déplacé le siège. Donc hop, alors je veux changer d'étage. Encore un échec. Putain, ils vont en mettre dans toutes les maisons, quoi. J'en ai marre, là. Je veux pas jouer aux échecs. Là, c'est une petite salle de bain avec. Ah, ça cache bien les fenêtres, question que personne ne voit quand tu te laves. C'est vraiment très sympathique. Là, c'est pour les enfants. Et là, pour les parents. Ouais, elle est vraiment très sympathique pour un petit bungalow. Elle est faite pour les parents et pour les enfants. Et donc, je la trouve super bien. Là, on va aller voir une maison créée par moi, donc ça sera marqué espace des potiers. Donc même Gigi et Titi, vu que Gigi n'a pas fini la vidéo avec moi, hélas, et ben, oh la vache, ça coûte cher la maison, ça coûte presque plus cher que ça. Donc dites-moi quand même dans les commentaires ce que vous préférez. Tout le monde, hein, je veux que tout le monde le mette. Moi, je vais vous dire à la fin la vidéo mon préféré. Vous aussi, vous pouvez le dire. Bon, c'est pas du tout la plus belle maison que j'ai faite parce que bon, franchement elle est bof. Elle est bof. Pas très belle, elle est vraiment bof. Bon, au moins j'ai fait l'effort de mettre une piscine parce que par habitude. C'est vraiment pour faire riche, tout ça là. Hop. Enfin, c'est parce que t'es riche que t'as une piscine, non, mais. Parce que ça, c'est ça que je parle, j'ai fait doré pour faire riche. Donc là, c'est un petit hall. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de trucs. Un canapé, une télé, une cuisine. Alors ça c'est un peu que ça bug, mais une chambre d'enfant. Une petite fontaine, sans fontaine dedans bien sûr, la logique des choses. Est-ce que je peux en rajouter une? Ah non, je peux pas, c'est tout. Bref, une salle de bain. Qui est bizarre. Là. Je veux tout fermer, si je peux. Bref, bon. Une chambre, on monte. Ah oui, c'est vrai que là, c'était vachement bien réussi. C'est très égayé. C'est vrai que c'est une belle maison quand même. Pas extérieurement, mais intérieurement, elle est vraiment très belle. Voilà. Là, c'est fait pour les. Ah, mais j'ai dû. Je me suis cassé le cul à placer les petits verres. Là, un espace quand même. Voilà. Une chambre du cirque. Voilà. Un espace vraiment sympathique. Avec des robes de femmes et tout. Et un petit salon encore. Pour les enfants et tout. Voilà. On se retrouve pour une prochaine maison. Donc, on va visiter. Alors, comment ça s'appelle? Au bord de l'eau. C'est parti, on se retrouve. Donc là, il y a une différence. Là, vous avez le début de la vidéo, c'était
Hier, j'ai tourné, là c'est aujourd'hui. Donc je sais pas si on a eu plus de vues ou pas. Vous verrez ça à la fin de la vidéo en même temps que moi parce que j'ai pas encore été voir ce matin. Donc voilà, tout de suite. Donc extérieurement, bon, elle est plutôt jolie. Je sais pas si vous m'entendez mieux que dans la première. Enfin, vous avez pas remarqué les premières, deuxième partie de la vidéo, mais moi je les remarque du coup. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'espère quand même. Mais vous inquiétez pas, tous les cas. Donc là, il y a un petit balcon. Bah, il n'y a pas vraiment de jardin, quoi. Donc, ça me déçoit un peu. Il y a 36 000 entrées, j'ai l'impression. C'est un peu. J'aime pas trop. Je ne jouerai pas dans cette maison. Ça, c'est sûr. C'est quoi, écoutez? Oh, la prochaine. Attention, j'arrive. Donc. Bon, c'est bof. Putain, j'en ai marre de ces échiquiers de merde là. Je sais pas si vous entendez les tocs, enfin, je les entends, mais j'ai fait tout. Pourquoi elles sortent pas? Ouais. Bon, elle est pas. Pas extraordinaire. Y'a rien d'autre? Je peux dire tout le monde sur celle-là. Non, je crois pas. On se retrouve pour la suite. Donc, on va aller visiter le foyer dépité. Je ne sais pas du tout s'il y a des gens qui vivent dedans. Non, je. Non, il n'y a personne qui vit dedans, je crois. Donc, voilà. Non, je dis à tout de suite, mais en fait, vous, ça me fait rien. C'est juste que moi, je dois attendre toute sa charge. C'est juste pour que ça dure beaucoup moins longtemps la vidéo et que ça soit beaucoup mieux pour vous. Voilà. Donc, déjà, extérieurement, elle est plutôt belle. N'hésitez pas à regarder le titre avant et puis de me mettre en commentaire. Quelle est votre préférée? Elle est vraiment très sympathique avec le mini jardin qu'elle a là et tout. Franchement, j'ai. Franchement, j'aime beaucoup. C'est quoi ça? C'est un système anti-incendie. Ah oui, j'en ai jamais vu. Ça serait pourtant utile pour la famille Enco. Oh là là, je vous jure. Surtout pour les barbecues. Donc, un titi. Ah là là. Franchement, elle est très jolie. Rien à redire pour l'instant. Ouais, franchement, elle a bien été faite celle-là. Montons-nous. Ah, et une petite pièce. Ah, c'est dehors en plus, c'est très joli. C'est très joli. Et hop, il y a un truc de menuisier. Ça. Elle est vraiment très bien, on pourrait. Pourquoi pas habiter dedans avec moi, enfin dans une partie à moi, excusez-moi, enfin, je pense que je vais tourner dessus, mais. Parce que ça se ressemble trop, les Surf Funky et les Funny Brothers, c'est pareil, voilà, je pourrais pas tourner dessus, hélas. Bon, ben voilà, elle est plutôt jolie, il n'y a rien au-dessus, non, si, il y a un toit. J'aime beaucoup celle-là pour l'instant. Moi par contre, je n'aurais pas le droit de choisir pour ma maison préférée. Enfin, si on remarque. Je sais pas si j'ai le droit de choisir dans ceux que j'ai construits ou pas. C'est dommage que je peux pas appuyer là. Pour me rendre ici. Ça marche pas. Tant pis. Wow! Tous. Ah, voilà. Et donc on va visiter maintenant le rose sauvage. Donc déjà rien que quand je regarde comme ça, enfin elle me tente bof. Enfin je vais quand même la faire visiter. Mais elle a pas l'air. C'est pas l'air d'être la plus belle quoi. J'espère qu'elle va quand même y être un peu. C'est jamais. Donc désolé, j'ai pas fait préparation cette fois-ci. Oh, il n'y a pas grand chose à faire.
Donc, comme je disais déjà, moi, elle me tentait pas trop, mais elle est plutôt quand même jolie. Donc, quand vous me direz, enfin, si vous acceptez de le faire dans les commentaires, votre maison préférée, bah, franchement, et que vous mettez celle-là ou pas, enfin, je sais pas forcément me souvenir des noms. Donc, vous avez juste à regarder un tout petit peu avant, ou m'écouter, excusez-moi, je fais tomber ma batterie, le nom de la maison, et puis bah. C'est tout simple. Donc c'est pas facile. Enfin, elle a des têtes jolies intérieurement. Ouais, enfin, ils mettent une vieille télé, quoi. C'est pas un... Désolée de vous faire visiter quand même en construction. Excusez-moi, parce que ça aurait été plus dur si vous voyez de. Et ma vocabulaire de mettre une famille dedans et de. Enfin, mais rien que mettre une famille dedans pour ensuite enlever la famille qui est dedans pour la remettre pour la faire déménager dans une autre maison. Enfin, vous imaginez même pas le temps que ça aurait pris. Autant faire visiter les maisons en construction, ça va plus vite. Et puis voilà quoi. C'est assez simple pour commencer dans une maison, autant toute la redécorer quoi. Ok. C'est bon pour la maison là. Donc là, on va passer à une plus grande maison qui s'appelle Essence de Jardin. Essence de Jardin. Enfin, en fait, je pense que c'est un plein pied, mais qui a l'air plutôt dans un assez grand espace. Donc nous allons voir ça tout de suite. J'aurais dû parier que c'était un plein pied. Ça se voyait trop. Donc déjà, extérieurement, bof. J'irai pas habiter là, c'est pas du tout mon kiff. Faudra vraiment que je retransforme tout. Bon, je vais pas transformer toutes les maisons du jeu, quoi. Bon, sinon, franchement, niveau, comment dire, terrasse et tout, elle est plutôt bien faite pour ça. Mais sinon, j'aime pas trop. Ouais, tiens, c'est ce que j'ai fait. Enfin, ça va, là encore. Ah, encore à l'intérieur, c'est pas mal, quand même. C'est bien décoré, c'est vraiment pas mal. Comme quoi, les plus belles maisons sont pas forcément les plus belles et les plus moches maisons sont forcément les plus belles. C'est quoi la logique? Bon, la cuisine, j'aime pas trop le sol, mais ça se change. Ok, lumière qui a été mise rouge pour faire une petite ambiance. Putain, mais elle est vraiment très belle cette chambre. Ça part un peu dans le chambre de gamin, mais pour adulte. Ou plutôt d'adolescent, voilà. Adolescent. En tout cas, en fait, j'aime bien. Mais il faudrait vraiment changer le jardin et l'extérieur de la maison. Sinon, elle est pas mal. Wouh! Ouais, elle est pas mal, pas mal, pas mal. Et donc, nous allons visiter le taudis. Oh! Un taudis, mais c'est pas beau les taudis. Allez, tout de suite, on va visiter, visiter, visiter. Bon, vous imaginez bien qu'un taudis, je vais pas l'aimer. Rien que là, c'est un peu. Bon, ouais. Il n'y a rien dans le jardin, il n'y a pas de terrasse. Ah, si, il y a une terrasse. Toute petite. Il n'y a pas de table d'extérieur pour aller manger et tout. Ouais. Bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. Une petite télé de merde. Mini cuisine. Petite salle de bain, ça. Rien d'autre. Ah bah rien à dire à part que ça me plaît pas personnellement les taudis. Voilà. Donc on va visiter quoi maintenant? Il reste plus grand chose. On va visiter les Archipels. Archipels. Alors, je sais pas du tout pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. Oh là là, faudra que je lui raconte comment s'est passée la famille. J'ai jamais joué en fait, j'ai une fois, c'est tout. Donc il me semble, ouais, la maison là a été créée, je ne suis pas sûre, mais. Ouais. Et donc là, ça a fait juste avec un bug, j'espère qu'on va bien s'en mettre. Ouais. Désolée, vous avez dû voir un petit bug. Donc, ce n'est pas un problème. J'ai réussi à rétablir. Donc,
Alors, c'est une maison plutôt jolie. Pas parce qu'elle a été créée. Elle n'a pas été créée. J'ai fait l'extérieur de la maison, quelqu'un que je connais a fait l'intérieur. Donc, c'est une maison plutôt petite. Donc, assez jolie, je pense, pour ça et tout. Donc, voilà l'intérieur. Voilà, c'est assez sympa. Une petite chambre vraiment rien dedans. Je rajoute des trucs. Et ça, voilà, elle est très jolie pour une petite maison. C'est moderne. Nous allons ensuite visiter. Oh non, il est mort. Mince, c'est pas grave. Oh mince, je vais faire jouer. Non, je ne joue pas. Bon, construction. Alors ça, je crois que c'est une maison que j'ai créée. Bah, c'est une maison que j'ai créée, une des premières, je crois. Ça, j'ai dû tuer quelqu'un dedans. Je joue tous les gens. Ouais. Bah, ah, je ne sais même plus à quoi m'a servi la maison. Ah ouais. Ouais, en plus, je voulais tuer la fille. Et c'est le mec qui est mort. Plutôt jolie. Petite mais jolie. On va ensuite visiter celle-là. Oh, ils sont morts. Ils sont tous morts, ils se tiennent bien. Là, c'était deux frères jumeaux. Ils étaient... ben, je voulais faire les tirer dessus, les premiers, mais à cause d'actions cavaliers, j'ai jamais pu les faire. Donc, un jumeau qui était gentil, un autre qui était méchant et tout, donc c'était une super histoire qu'on voulait faire. Et voilà, j'ai jamais pu poster. Dommage. Donc j'avais créé un style plutôt bizarre à cette maison, mais assez joli. Bizarre, mais assez joli. Donc voilà la maison d'extérieur. Et donc en fait, tu passes par. Enfin, j'ai oublié de faire une coupure de toit ici, mais bon, c'est pas grave. C'est pas maintenant qu'on va la faire, hein. C'est trop tard en tous les cas. Plein de parties donc, et tu passes par l'extérieur, bon, c'est abrité du coup maintenant, pour aller dans l'autre partie, donc c'est plutôt sympa. Ah non, je peux la supprimer, je crois. Ouais, c'est plus joli. Donc voilà. Peut-être avec le truc quand même par-dessus. Ça le fait plus, hein. Voilà, bref, on s'en fiche. Voilà, donc nous rentrons dans la maison. Donc, voilà, c'est assez petit, serré à l'intérieur. Bon, il y a ça, il y a l'essentiel. C'était dans les premières maisons que j'ai faites sur les Sims 4. Je me démerdais, je vais pas très bien. Assez bien, pardon. Tout est bien, enfin, il n'y a pas trop d'espace libre, j'ai horreur de ça. Donc là, c'est un petit coin salon. À la base, je voulais faire un garage et c'est devenu ça. Voilà. Là, il y a la piscine intérieure. Ensuite, nous montons à l'étage. Donc là, on a encore le système pour passer. Tu passes à l'extérieur et tu arrives dans une petite salle avec piano et tout. Et si tu continues dans cette partie-là, tu as une chambre. Voilà, la chambre, c'était la chambre d'un gars. Je crois que c'était la chambre des gentils. Et là, tu avais la chambre du méchant, je crois. Donc là, t'as. On va faire ça. Juste pour là, parce que c'est chiant. Les toilettes, la salle de bain et la chambre là. Rien d'exceptionnel. C'est une maison tout à fait à part entière et assez jolie. Donc vous avez dû voir le titre avant. Je ne sais plus si je l'ai dit. Je vais le redire quand même. Mince. Non. Je fais des conneries. Donc c'était le coin bon marché. Et là c'était
Da Silva. Bon. C'est le nom des familles, hein, je sais. C'est pas le nom de la maison, mais vous mettez juste le nom de la famille si c'est dans une famille qui a déjà une gothique ou des trucs comme ça. Voilà, donc là, on va visiter la bibliothèque, si on peut. Ouais, on peut. Tout de suite. Donc la bibliothèque est pourtant très bien connue dans le jeu, mais bon, on a dit qu'on faisait tout visiter, donc elle est plutôt jolie, parce que c'est vraiment le jeu qui a créé ça. Voilà, une petite terrasse. Ils font tout ce que j'aime. Ah, je sais pas pourquoi j'ai pris la voix là, c'est bon. J'en veux pas. Ah, je sens encore l'échiquier qui va arriver. Bon. Joue. Tiens. Ce putain d'échiquier, c'est l'ordinateur. Bon, pour une bibliothèque, franchement. Petit con pour les petits, ça j'aime bien. Des toilettes. Je pense que c'est homme-femme, j'ai la flemme de monter pour qu'on voie le truc. C'est vraiment. Je montre vite fait parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. C'est une bibliothèque. Et je vais pas m'attarder sur ça. Voilà. Donc il n'y a rien d'autre à part ça. C'était pour décorer, je pense. Parce qu'il n'y a rien dedans. Je remets les archives, tout le cas. Ils l'ont pas fait. Oh là là. C'est bientôt déjà. C'est déjà bientôt fini. Et donc. Là, c'est bouge ton col, bouge ton col. Donc, on va aller à la salle de sport, bouge ton col. Oh là là. Qui n'a jamais été dans le dans ça, franchement, c'est. Ça, c'est ce qu'il y a le mieux dans le jeu, la salle de sport, tu fais des rencontres et tout. C'est vraiment bien. Donc là, t'as la salle de punching ball et tout. Vraiment bien faite, là c'est la salle de muscu et de course. Dans celui-là, dans cette salle de sport, il n'y a pas de piscine. Généralement, il y en a. Là, je pense que c'est un petit coin détente, danse et tout. Ouais, elle est plutôt pas mal. Et là, c'est pour se laver après le sport. Quelque chose de très important. Donc maintenant, on va visiter le velours bleu. C'est une boîte de nuit. Et on finira par le musée municipal. Et donc, comme vous avez pu constater, que la vidéo va se faire en trois parties parce que je vais pas vous faire une demi-heure de vidéo parce qu'en plus, rien que le montage va être long et tout à faire. Le montage il est hyper long à faire et tout. Et puis, même, bah, j'ai horreur moi de regarder par exemple une demi-heure de vidéo, c'est vraiment chiant. Donc, voilà. Franchement, c'est quelque chose de assez classique. Une boîte de nuit, je suis allée plusieurs fois donc je la connais bien. Pour rencontrer des personnes et tout. Sympa, ça fait un peu un coin pour bah là des rencontres. Et là c'est tout ce qui est toilette et tout. Voilà. Et donc pour finir, on va visiter le musée municipal. Donc le musée c'est. Ah le musée. Bon déjà il est assez joli. Bon. On va pas faire une visite complète de l'extérieur. Il y a des tables pour se réunir, des trucs comme ça. Je me dépêche parce que j'ai plus que 50 secondes pour tourner. Donc voilà, on va faire bref. Et donc là, il y a vraiment rien d'exceptionnel. C'est un musée. Wow, c'est un musée. Désolé, vous entendez encore les clac, 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 clac. Je veux dire, c'est pas mon problème. Il y a une autre musée qui est beaucoup plus beau que celui-là. Mais bon, ça, ils ont fait, il faut faire un musée au moins. Donc là, vous allez voir une petite fin de vidéo. Et donc là, on va la prochaine fois visiter Oasis Spring dans la deuxième partie et Magnolia Promenade. Et à la fois d'après, on visitera Widerberg, je sais pas trop comment ça se dit, et Newcrest. Donc regardez à la fin la petite fin de vidéo. Ciao, ciao! Et donc c'est tout simplement que je vous dis merci d'être quand même déjà, enfin, ok vous êtes peut-être 22 abonnés et c'est pas forcément énorme, mais le fait qu'on ait quand même
1500 vues, enfin, c'est énorme pour moi et je voulais simplement vous dire merci. Je pense que Titi Game et GG Game vous remercient aussi d'être d'avoir t'es quand même 1500, enfin pas 1500 personnes avoir vu, 1005 personnes avoir vu, mais le fait d'avoir que pas mal de personnes ont regardé plusieurs fois nos vidéos, même qui ne se sont pas forcément abonnées, ça fait toujours chaud au cœur. Les j'aime et tout, c'est parce que ce qui m'intéresse, moi personnellement, c'est plus surtout le fait que vous ayez vu. Que sont devenus les Inco, je vois que ça vous a vraiment beaucoup plu, 31 vues et tout. C'est pas vraiment grand-chose, mais voilà quoi. Cory Fun, donc je voulais absolument montrer la vidéo. Oula. Vous ne verrez pas beaucoup. Je sais pas si je peux déplacer. Voilà, attendez, on va tester. Hop. Je sais pas si ça a fait un bug ou quoi que ce soit. Mais question que voilà. Cory Fun qui a mis thank you. Donc allez vraiment voir sa chaîne parce que je sais absolument. Je sais que c'est lui parce qu'il m'a envoyé un message. Et donc bah, que vous me croyez ou non, bah je suis désolée, mais je sais que c'est vraiment lui parce que il m'a dit qu'il attends. Je retrouve le message et je vous dis. Enfin, en gros, il m'a dit I go eat et genre, je vais voir tout de suite quoi. Et puis il a été voir et puis il m'a mis smiley, mais remis exactement le même. Donc, ces questions, ça me prouve en plus que c'est lui qui a été voir. Donc voilà, je voulais simplement vous remercier d'avoir d'être autant à venir voir. Vous allez voir la suite, les deux suites de vidéos. Et ensuite, il va y avoir quoi d'autre que j'avais dit? Et je sais pas si ce sera aux 2000 ou 5000 vues. Qu'on continuera à faire ça. Heureusement qu'on n'a pas fait aux 100 vues parce qu'on y sera encore. Mais voilà quoi. Donc, que sont les Inco, par contre, je suis un peu déçue parce qu'il n'y a eu que 9 vues. Je pense que les sites comme ça, il y a toujours le truc. Fellhard, il n'y en aura plus. L'application est désinstallée, c'est même pas la peine. Voilà. Dire que 269 personnes ont vu la construction de la maison de Paul Pogba. Donc, je pense que beaucoup de personnes ont cru que ce serait sa vraie maison que je construirais. Alors que non, c'était juste pour le let's play et. Désolé. Donc voilà, enfin. J'ai même pas regardé s'il y avait eu des likes ou pas. S'il y en a eu 7. 8. Voilà, presque. Beaucoup de personnes en plus lancent une intro. Une chaîne spécialisée dans le Sims vous présente. Ah là là, je vous jure, c'est vraiment. Vraiment plaisir. Donc voilà, donc bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous verrez la suite la prochaine fois. Je sais pas quand, si ce sera samedi prochain ou je ne sais pas quand. Ou peut-être demain. Si j'ai quand j'aurai le temps de tourner, ça c'est sûr parce que là on est dimanche. Je pense pas que j'aurai le temps de tourner. Je ne sais pas. Ça dépend ce que je fais. Bon bref, on s'en fout. N'oubliez pas de vous abonner comme ça. Bah, plus vous abonnerez, plus vous verrez la suite et ça promet parce que bah, je pense qu'il va y avoir du lourd avec la suite de Paul. On n'a pas encore fait une suite de Paul Pogba, la suite de Les Sims & Co. et la suite des Sœurs Funk. Donc il y a trois let's play à suivre. Donc suivez bien tout ça parce que c'est vraiment génial. Plus les décos et ça maintenant. Donc voilà. Allez, ciao. Kiss le monde.